Je n'ai rien de spécial. Je suis étudiant aujourd'hui. Je serai chômeur demain. C'est une chose que j'affectionne plus que tout, c'est le malaise. Baigner dedans, c'est génial. Imaginez un couple qui s'engueule dans la rue. Vous auriez tendance à fuir. Changer de trottoir, moi. Non. C'est de la merde. Bah oui, bah je passerai peut-être un peu moins de temps sur FIFA et on baisera écoute, un peu écoute, plus. Écoute, gros con. Tu sais très bien que sa mère, elle t'aime pas, ok? Donc, foule en veilleuse. Il a raison, allez. J'en ai assez, mec, de Pôle emploi. Oh, mec. Tu veux du travail, mais regarde-toi. Regarde-toi. On dirait un terroriste. Tu n'auras jamais de travail comme ça. Le malaise chez les gens, ça me fait voir que ma vie est juste géniale. Putain, je te le dis, je te le répète, c'est qu'une pote. Non, c'est pas qu'une pote. Non, tu ne me regardes plus. Non, il faut changer les choses. Oh, petite traînée. Il t'a trompé, mais il a eu raison. J'aurais fait la même chose à sa place. Regarde-toi. T'es moche. Bref, je m'appelle Hugo. Merci, Benoît. Nous sommes ici devant la Comédie de Montpellier pour une annonce très spéciale. En effet, l'économie semble être établie de la crise économique de 2009, au point où les gens marchent dans la rue avec de l'argent. Il y a même des musiciens qui fêtent l'événement. Il fait bon de vivre en France. C'était Eugène Martin avec Hit News. Culé. Hello, la matoka. Bonjour Monsieur Tellier, c'est votre conseillère EDF. Nous avons essayé de vous contacter afin de vous informer que nous avons bloqué votre compteur pour cause d'impayés. Merci de régulariser la situation dans le plus bref des délais. Merci. Will Castle.